SoundCloud, je te dis. Prends, tu t'en fous, ouais. Après, autre, enlève le trait avec un accent, la trait. Oh putain, oh, ça me fait péter les poumons. Donc tu fais ça à chaque fois en fait, jusqu'à temps que tu aies un corpus un peu... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 21. C'est la merde les gars, c'est la merde, attendez, vous êtes pas droit. J'ai une peau dans une catastrophe, pas possible, faut que j'aille me la laver, parce que je n'en peux plus. Du coup j'étais en FaceTime avec Cindy pendant une bonne heure, genre en fait je me suis fait réveiller par le livreur. Du coup on voit un message en mode qu'elle n'y arrivait pas sur le truc individuel, donc on a fait ça ensemble en FaceTime pendant ouais, une bonne heure. Et en même temps bah, je déballais mes petits colis, donc j'ai reçu Mindmuesli et aussi Shein, j'ai reçu toutes les conneries de Patrick. Je suis trop contente, tout est là, tout est beau, tout est trop bien. Donc je vais vous montrer tout ça juste après, mais en gros là j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, surtout pour mes projets parce que je dois les rendre le 24 décembre. Et j'ai pas fini, donc il faut que je fasse ça, il faut que je monte la vidéo pour 18h aussi, j'avais complètement zappé. Donc je vais me dépêcher pour la monter là ce matin. Donc j'ai reçu des petites décorations pour la table et tout de chez Shein. Et tellement de conneries de Patrick, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Juste ça là. Ça mais c'est excellent, ma soeur elle va se dire mais... c'est une connerie de Patrick. Voilà, ça j'ai trop hâte. Donc bref, c'est parti pour cette petite journée. Je monte la vidéo vraiment rapidement et après on commence cette petite journée. Écoutez ce petit bruit. C'est la bouffe qui est en train de cuire. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je ne cuisine jamais. Et là c'est le cas, je cuisine. Les chaises sont toujours là, je chiale. Elles sont en train de cramer, Elisa. Peut-être moins fort. Mais c'est un truc qui ne se produit jamais. Et là, je me suis dit, vas-y, faut que je fasse les trucs que j'ai achetés dans la foire. Peut-être mettre de la sauce... Je m'emballe. Je me suis fait aussi des colins d'Alaska parce que c'était du surgelé. Je me suis dit, vas-y, il faut essayer de vider un petit peu le congèle. Mon père m'a dit de bouffer tout ce qu'il y avait dans le congèle. Je le finale. C'est de la salée. Vas-y, on met un petit peu de salée. On met un tout petit peu. Voilà. Et on n'est pas des cuisiniers, nous. Petite courgette sauce soja salée. Magnifique, ça donne un petit peu de goût. Hey. Ah, j'ai la confiance, hein, les gars, j'ai la confiance. Hop, dans le petit wok. J'en limite trop. Dans le petit wok. Et ouais, attention, on a trop de confiance là. Non, j'ose pas faire le truc des cuisiniers là. Je sais pas faire. Mais ça a l'air super bon là. Hey, si j'ai des amis qui viennent, je vais prendre des trucs comme ça déjà fait chez... Grand frais, hein. En plus grand frais c'est de la bonne qualité, c'est pas du surgelé là. Trop de médocs à prendre, genre regardez la taille des médocs. J'ai ça à prendre toute la journée, genre cette plaquette là c'est un jour. Les médocs sont immenses, genre ce matin je me suis étouffée, j'étais en FaceTime avec Cindy, j'étais en train de m'étouffer. Je ne pouvais plus, genre je sentais le truc qui voulait pas passer, donc il faut que je le coupe en deux du coup. Je suis à bout. Donc là je suis en train d'attendre que ça chauffe, etc. J'ai fait le montage de la vidéo. Donc ça c'est cool, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que enfin, c'est un vlog à chaque fois de 30 minutes, donc chaque fois ça me prend du temps de ouf de monter tout ça. Je voulais aller faire les magasins aujourd'hui, aller à Créteil Soleil et autres, mais j'ai vraiment pas le temps. En fait je suis un petit peu surchargée dans mon cerveau et il faut que je me décharge sur une to-do list. Il faut que je vois un petit peu... Voilà, j'avais rangé hier ou avant-hier, je sais plus. Et au final... Oh putain le bureau. Bon déjà vous voyez l'ampleur des... Ah ouais non c'est une catastrophe. Mais j'ai pas envie de prendre une journée off là pour YouTube, c'est bientôt la fin et tout, j'ai pas envie, c'est... j'arrive au but là. Mais faut que mon père quand il va venir ça soit tout rangé, tout propre hein, parce que mon père il vient une fois par an chez moi. Et encore, non, ça fait très longtemps qu'il est pas venu, ça fait depuis l'emménagement qu'il est pas venu chez moi. Donc vous pouvez voir que ça fait très longtemps. Putain, j'ai pas de stylo là, c'est quoi ce bordel? On va prendre un petit stylo, ça écrit en quoi? En violet, c'est génial. Bon, regardez même pas mon bureau, il y a des chaussettes et tout, c'est n'importe quoi. Donc j'ai essayé de décomposer un petit peu, ranger bureau, ranger salon de cuisine, ranger entrée, ranger chambre, changer litière, emballer les conneries de Patrick, aller à Action, aller à Ilse Delice pour acheter pour les petits biscuits. Finir le projet en REM, ça c'est le plus urgent. Finir le projet en Big Data, je l'ai même pas commencé. Faire des recherches pour GGRC, genre les trois dernières, c'est les trois les plus importantes. Parce que c'est la merde. Du coup, voilà ce qu'il faut que je fasse. Sans le cramer. Voilà, oui, ça sent bien le cramer. Hop.
On va arrêter. Mais voilà, c'est vraiment la merde là. Là, c'est le rush. Nous sommes le 20 décembre du coup. Et ouais, c'est un petit peu la merde, un petit peu le rush. Ça me saoule, ça me saoule. Bon, j'ai préparé deux assiettes. Une pour ce soir et une pour maintenant. Je suis trop contente. Au moins, j'aurai mon repas pour ce soir. Mais c'est vachement pratique les trucs comme ça de chez Grand Frais. Vous voyez, je pense qu'il me faut ce genre de choses faciles à faire. Déjà découpé. Ouais, c'est bien. Allez, on va manger. Je me suis fait un petit coca citron et en dessert, j'ai une petite tartelette à la framboise. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, que vous avez pris un bon petit chocolat chaud, vous avez allumé une petite bougie, que vous me mettez sur votre télé. Parce que qui regarde encore sur l'ordinateur ou le téléphone? Personne. Donc mettez-moi sur votre télé. Comme ça, vous m'avez en grand. C'est parfait. Vous êtes prêts pour le haul parce qu'il va durer une éternité. Déjà, je vais commencer par My Muesli. Ensuite, Shein et ensuite Primark. Donc c'est parti, let's go. Pour My Muesli, j'ai reçu leur nouvelle collection, donc le muesli avec du caramel salé, ça a l'air trop bon. J'ai reçu aussi du porridge, alors faut vraiment que je m'y mette au porridge parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc à la vanille, celui-ci aussi, c'est une nouvelle collection en fait. Caramel salé encore une fois, donc trop bien. Et aussi ça va être donc la dernière année, enfin le dernier jour où vous pouvez commander mon muesli, donc le muesli que j'ai co-créé avec My Muesli, donc celui-ci. Ça va être la dernière fois. En 2023, il n'existera plus. Voilà, je suis assez émue, entre guillemets, parce que bah, c'est un beau projet qui a abouti. Continuez de commander et ça me touche énormément. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour m'avoir soutenu, parce que c'est un projet, voilà, on ne sait pas si ça a fonctionné ou autre, et c'est tombé en rupture de stock. Enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Voilà, en 2023, il y aura plus de petits trucs, malheureusement. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire ça, d'avoir pu créer ce packaging, créer la recette. Il est toujours disponible donc jusqu'au 31 décembre 2022. Le 1er janvier, il n'y aura plus rien. Donc voilà, si vous voulez vous procurer une dernière fois, n'hésitez pas, c'est disponible. Et dès 15€ d'achat avec mon code promo NoëlPandaPi, vous pouvez recevoir ce petit muesli. Donc là, je pense que c'est le prototype. Il n'y a pas encore le packaging. Hein. Il n'est pas encore sorti, du coup, je crois. Mais je crois que c'est ce muesli-là, en fait, qui va vous être offert. Donc c'est granola de Noël, crunchy avoine, crunchy pomme, cannelle, éclat de chocolat blanc, mini spéculoos, c'est beaucoup d'amour. Et derrière, ils m'ont mis un petit mot pour Elisa. Chère Elisa, 2022 est une année pleine d'amour et de muesli. 2023 le sera encore plus. Merci pour cette belle année à tes côtés. Joyeux Noël et bonne année 2023. Et bah voilà, ça me touche énormément. C'est vraiment une belle équipe et j'ai vraiment adoré collaborer avec eux. Et je tenais à vous dire que toutes les recettes que j'ai eues de ces muesli-là, parce que je suis rémunérée en fonction des ventes du coup, toutes ces recettes-là ont été reversées à une association pour les enfants. Donc voilà, je le dis pas souvent, mais je verse énormément d'argent aux associations. Et là, cette fois-ci, j'ai découvert une petite association avec les enfants. Donc c'est des enfants en difficulté, qui sont dyslexiques, qui ont des problèmes familiaux, qui, voilà, il y a plein de personnes qui s'occupent d'eux, donc je suis un peu émue d'en parler, mais voilà, on a versé une très belle somme pour cette association là et ça c'est grâce à vous, grâce à vos ventes, donc merci infiniment. Bref, on va arrêter de pleurer, on va montrer les achats Shein, les conneries de Patrick. Je crois que vous êtes pas prêts. Alors je sais pas si je vais vous mettre les liens en barre d'infos des conneries de Patrick, parce que j'ai envie que vous deviniez un petit peu ce que c'est, et comme ça vous aurez la réponse à Noël ou un peu plus tard, je sais pas. C'est parti pour les conneries. Alors il y a des trucs que j'ai vraiment pris pour moi, etc., genre de la déco, des choses qui étaient vraiment indispensables pour moi. Alors j'ai pris ça, c'est une lavette, vous savez, pour les vitres. Moi en fait j'ai un problème pour les vitres, c'est que j'arrive pas à passer de l'autre côté et à vraiment bien nettoyer parce que ça s'ouvre pas. C'est condamné, donc je peux pas, et je pense qu'avec ça ça peut bien nettoyer. Donc on a une petite lavette, on a une petite brosse et tout là, et on a la raclette. Je trouve ça génial, et en plus tu peux la ranger en la déboîtant et tout, donc c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai trouvé de la petite décoration pour Noël. J'ai trouvé ça, c'est un petit bougeoir en forme de flocon de neige. Je trouvais ça trop mignon, donc j'ai pris ça. Et il y avait un petit lot aussi de bougeoirs. Donc là j'ai pris avec des rondins de bois, mais ils existent en plusieurs coloris. C'est plutôt pas mal, je vous mettrai le lien de ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment d'une très bonne qualité. Donc après ça vous pouvez le faire vous-même avec une petite branche d'arbre et tout, mais franchement plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris ça. C'est un bandeau avec des yeux. J'ai testé tout à l'heure avec Cindy. Ah, j'étais morte de rire avec elle. Regardez à quel point c'est ridicule. J'adore, c'est trop drôle. Parce qu'en fait, c'est tellement une tête. Normalement, ça devrait être comme ça, tu vois. Mais non, on a une tête tellement bizarre, nous, que ça part dans tous les sens.
Du coup, j'ai pris ça pour moi et j'en ai pris un pour ma soeur pour Noël. Ça, c'était quoi? C'était des petits sacs. Voilà, j'ai pris des petits sacs pour mettre les biscuits ou des choses comme ça. Je trouve que c'est des petites enveloppes. Donc des enveloppes comme ça, il y a plusieurs motifs. C'est plutôt joli, je trouve. Hop, et ça. Voilà, vous avez 4 motifs. Donc il y en a 8, je crois. Soit on met les petits biscuits de Noël, soit on met des conneries de Patrick, soit voilà, franchement, c'est plutôt mignon. Ensuite, j'ai pris ça, je trouve ça trop cool. C'est un rangement canette. Donc c'est sur 2 étages. Donc tu mets des canettes ici. Et dès que là ça se vide, en fait là il y a un trou. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou. Et ben il y a une canette qui tombe et ça avance le truc. Je trouve ça génial. Donc pour le cellulette ça va être trop cool. Toutes les canettes passent normalement. Même les plus grosses, vous savez, les styles Fanta, les longues, là, les fines. Pas trop bien. Les petits rangements comme ça, il y en a plein sur Shein. Et en plus il y a des petites poignées comme ça. Ensuite j'ai pris des petites étiquettes. Donc j'ai racheté des étiquettes avant. Mais voilà, donc j'ai d'autres étiquettes. C'est toujours utile, donc j'ai pris ça. J'ai pris ensuite une brosse comme ceci. Et ça a l'air super bien parce qu'en fait tu mets le liquide à l'intérieur là. Et en gros quand tu nettoies, bah t'as le liquide qui sort. Et donc ça le nettoie en même temps. Enfin, tu sais, t'as pas besoin de mettre du pipit. Enfin, je trouve ça génial. Genre par exemple pour la baignoire, ça peut être super, super pratique. Donc tu mets le liquide ici, là-dedans. Et ensuite tu peux nettoyer. Alors je sais pas trop comment ça se passe hein, mais on testera hein, du coup. Et du coup j'ai pris ça pour mes parents et pour ma soeur. Il y a aussi en bleu, mais je trouve en orange, il était plus sympa. J'ai pris aussi des petites... des chaussons lavettes. Alors moi, quand je fais le ménage, je mets toujours des chaussettes. Et à chaque fois, mes chaussettes, elles sont dégueulasses. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas mettre ça. Alors, ça passe sur un 40. Putain, je suis en larmes. Du coup, c'est super bien. J'ai pris ça pour moi parce que j'en ai besoin. Et j'ai pris ça aussi pour ma soeur. Oui, c'est vraiment des conneries. J'adore. J'ai pris ça, c'est pour nettoyer les voitures. Et c'est super bien, tu peux mettre ta main comme ça et c'est tout doux, et c'est pour nettoyer la carrosserie de la voiture. Donc ça c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que moi ma voiture elle est tout le temps sale. Mes voisins ils m'écrivent des choses sur mon capot à chaque fois, ils me dessinent des bites, ils me dessinent tout ça et j'en ai marre parce que bah, flemme d'aller la laver la voiture tu vois. Donc j'ai pris ça pour moi et j'ai pris ça bah, pour mon père, ma belle-mère. Et bah, ça je pense que vous devez connaître mais c'est une connerie de Patrick du coup. J'ai pris ça pour ma belle-mère. Ma belle-mère elle a les cheveux rouges, du coup ça lui ressemble énormément. Donc c'est trop cool, ça on le voit un peu partout, hein. On voit à Jiffy, on le voit vraiment partout. Je vous dis pas ce que c'est, même si vous savez, je pense que beaucoup de gens le savent, mais c'est super pratique. Vous savez ceux qui sont des fidèles au Vlogmas, j'espère que vous avez la référence. Parce que si vous n'avez pas la référence, je suis vraiment choquée dessus, je ne vous dirai même pas pourquoi j'ai pris ça. Voilà, je ne dirai rien de plus. Normalement, les vrais savent. Voilà. Et du coup, il y a des petits trucs pour coller et tout, alors je sais pas où est-ce que je vais le foutre. Vraiment, c'est vraiment juste... pour la blague, vraiment pour la blague. Ensuite j'ai pris un legging pour ma soeur, puisqu'elle en voulait, hein, donc je lui ai pris un legging tout simple, tout basique. J'ai pris ça, alors je sais pas du tout si ça fonctionne, c'est un distributeur de savon, donc t'appuies là en fait, voilà, et normalement t'as le savon qui sort, alors je sais pas du tout si ça fonctionne, je sais pas comment on fait ça, je sais pas comment on met, ah ok faut juste dévisser. Ok. Donc normalement t'as un truc voilà pour clipser sur le mur, donc c'est plutôt bien. On verra si ça fonctionne. Et dans le même style, j'ai pris ça. Tu mets en fait ta brosse à dents, t'appuies ici et t'as le dentifrice qui est normalement en haut, et ben qui te ça te sert de dentifrice. Voilà, je cherchais le mot, mais ça te sert de dentifrice. Donc après tu peux fermer comme ça. Je trouve ça génial, vraiment. Il y a un petit truc aussi pour l'accrocher, donc trop cool. On va faire ça, on va installer ces conneries un jour, je vous jure, on va faire une journée installation de conneries de Patrick. Et vraiment ça c'est trop bien, c'est trop stylé, enfin je trouve ça génial. Donc j'ai pris ça, alors on verra. Ensuite j'ai pris ça en 3 fois, c'est une connerie de Patrick, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais si ça fonctionne, incroyable, incroyable, ça va changer ma vie. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris ça pour mon père, c'est une brosse comme ceci. Tu mets avec une perceuse, vous savez, et après ça tourne quand tu fais avec la perceuse. Du coup, pour nettoyer, je sais pas quoi, bah c'est ça. En fait, c'est une connerie de Patrick, mais bon, je pense que... Ah, j'aurais pas dû vous l'expliquer. Mais voilà, c'est une connerie de Patrick, enfin voilà, vous avez capté. J'ai pris ça. J'ai déjà des autres formats, je voulais ce format-là, qui était un peu plus fin, donc c'était plutôt pas mal. J'ai pris ça pour la lessive, etc., enfin pour mettre les petits produits bicarbonate, etc. Ça pourrait être une connerie de Patrick. J'hésite à le garder pour moi. Comme je mets tout dans des bocaux, je sais plus si je voulais le prendre pour moi ou pas. Mais en gros, il y a 2 tailles différentes, la petite, la grande.
Je pense que je vais les mettre en connerie de Patrick. Bah alors pour qui? Pour les deux, un pour mon père, un pour ma soeur. Bah écoutez, on va faire ça en connerie de Patrick. Voilà, je dirai pas ce que c'est du coup. J'avoue, ça doit vous frustrer de que je vous montre des trucs sans vous expliquer. Ensuite, j'ai pris ça pour la salle de bain pour mettre... Merde, c'est comme ça. Non, c'est comment? Oui, c'est comme ça. Pour mettre le savon, parce que le mien il est en train de capoute. Pyjama, pilou pilou. J'aurais dû prendre ça quoi, pour ma belle-mère, genre un truc comme ça. Pilou pilou, trop bien avec la veste et donc le pantalon qui va avec. Ça a l'air génial, voilà, c'est génial, c'est tout pilou pilou, incroyable, je suis trop contente, je vais mettre ça au lavage, je vais mettre ça demain. Et ensuite j'ai pris un pull, je l'ai trouvé très très beau, alors comme ça il fait un peu long, mais c'est pas une robe pull, hein. Tu mets ça généralement avec un petit legging en cuir, et il a des fentes comme ça sur le côté. Et la caméra il rend pas trop bien mais il est très très beau. J'avais déjà acheté des serviettes sur Shein. Du coup bah j'en ai repris là, c'est une noire ou petite. Je sais pas si vous allez voir les motifs mais voilà c'est comme ça. Et j'ai pris donc celle-là mais en grand. Donc là je sais que ça va déteindre de ouf. Ensuite j'ai pris ça, je pensais que j'en aurais deux. Mais c'est une petite serviette comme ça. Enfin c'est un truc de table, un chemin de table ou voilà ce genre de choses. Donc j'ai pris ça mais je pensais qu'il y en aurait deux. Et j'ai trouvé enfin des housses de coussin trop trop belles. Donc première housse de coussin trop mignonne, dommage que ça arrive aussi tard. Mais trop belle, j'aime trop. J'ai pas assez de coussin par contre. Ensuite il y a celui-là, voilà comme ça ça c'est beaucoup mieux. Et les motifs ils sont en 3D hein. Ils sont vraiment jolis, je suis trop contente. Et le dernier c'est celui-là. Franchement la qualité est top, je vous les conseille vivement. J'en ai déjà un là, il y a marqué Joy. Vraiment je vous les conseille, ils sont top top top. Voilà pour ce que j'ai pris, faut que j'emballe les cadeaux de Noël là, si possible. Ah pause, attendez, j'ai donc le cadeau pour ma belle-mère. Vu qu'elle va se faire les ongles et tout, je voulais lui offrir la prestation des ongles. Donc là je vais faire un paylib à la nail artist. Et comme ça je vais lui payer pour vendredi. Parce que vendredi elle y va pour se faire les ongles. Donc ça sera un cadeau de ma part. Parce que nail artist elle peut pas me faire de bons cadeaux genre sur internet. Elle voulait que j'aille le récupérer vendredi. Sauf que je suis à Paris, je suis pas chez mon père du coup. Et elle m'a dit bah il y a votre belle-mère qui passe vendredi pour se faire les cheveux et les ongles. Bah je dis bah je lui paye les ongles à ce moment là quoi. Donc là je vais faire le paylib, je suis à sec. Bon c'est en train de charger. J'espère que ça va fonctionner. Bref, je vais vous montrer donc pour Primark les achats que j'ai faits. Donc c'est beaucoup d'achats pour la décoration de table et c'était vraiment, ça valait vachement le coup. Un nouveau collant parce que le mien il s'est effiloché, donc c'est 4 €, ils sont très très bien. Mais il s'effiloche assez facilement, je vous avoue. J'ai pris ensuite des bougies, c'était 1 € au lieu de 2 €, donc trop contente. Ils sentent super bon, c'est cette collection là du coup. Pendant les petits... Un petit bougeoir comme ça, ça peut être trop trop beau. Ensuite j'ai pris d'autres petites bougies comme ceci, donc en forme d'étoile à 3 €. J'ai pris ça, alors je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça incroyable, on aurait dit prince. Du coup c'est un petit renne à 2 €, il est trop beau. Et ça en deux fois, donc un pour moi et un pour ma soeur du coup, que j'ai envie qu'on ressemble à rien comme d'habitude. Aussi ça, ça peut être pas mal je pense. Ça peut être... C'est un truc avec une pompe, vous savez, t'appuies et ça fait sortir le produit. Ensuite, j'ai pris ça. Donc c'est une couronne comme ceci. Donc peut-être mettre enfin ça sur mon... Vous savez le truc sur la table là. Et en fait les branches elles se décrochent, vous voyez. Donc on peut réutiliser les branches un peu partout. Donc ça c'est vraiment trop cool. 6 € au lieu de 14 €. Ensuite j'ai pris une petite brosse. J'en avais besoin d'une comme ça. Ça peut pas marcher paylib. Pourquoi tu veux pas marcher? Bon je vais faire ça plus tard du coup. On verra après. Du coup j'ai pris donc une brosse à 2 € pour faire les petits brushings, les petites mèches de devant etc. J'ai pris donc mon petit pull. Donc je l'ai pris en taille L. Il y avait pas en XL je crois. En gros voilà ça va être un grand pull pour mettre en style robe et mettre une petite chemise etc. avec des tuissardes. Je le trouvais trop beau, il a coûté 7 €. J'ai pris un masque pour les yeux comme ceci qu'on m'offrait. Ce genre de choses j'en ai vraiment besoin en ce moment parce que j'ai les yeux éclatés comme vous pouvez le savoir avec les lumières bleues etc. J'ai super mal aux yeux et puis la maladie. Du coup bah, j'ai pris ça. J'ai pris aussi une toute petite brosse pour partir en voyage. Voilà, quand je pars en voyage au moins je pourrais prendre cette petite brosse là. Je sais pas si elle va être vraiment incroyable. Mais bon, faut tester. En décoration, ensuite, j'ai trouvé ça à Primark. Je trouve ça trop beau. C'est une petite, un petit bougeoir comme ça à 4 € au lieu de 8 €. J'ai pris aussi ça. Ça coûtait 1 €. C'est un petit chouchou avec des petits trucs de reine. Là. Je trouve ça trop mignon, le 3 €. Et j'ai pris ça. Ça m'a coûté 1 € aussi au lieu de 3,50 €. Voilà, c'est une petite déco. Je pensais qu'il y aurait une petite bougie à l'intérieur. En fait, non, en fait, c'est juste une petite déco comme ça. Et c'est ça que je vous parlais qui était vraiment top, top, top. C'est un espèce de manteau, mais hyper molletonné.
C'est pas un manteau, manteau pour sortir dehors, hein, c'est un manteau pour la lingerie, là, le soir, là, voilà, c'est le lounge. Donc vraiment trop bien, hyper confortable, 22 euros. Vraiment j'hésitais, je me dis Lisa, est-ce que t'en as besoin, pas besoin. J'essaie de peser le pour et le contre, mais finalement je l'ai prise parce que vraiment incroyable. Je voulais prendre ça à ma belle-mère. Je me suis dit, elle va pas vraiment l'utiliser. Moi, je sais que je vais l'utiliser. En plus, il y a des poches. Voilà, ma passion, les poches. Trop contente, vraiment ravie. Je suis trop contente. Ensuite, pour Undies, j'ai pris ça à ma belle-mère. Du coup, c'est un. Par contre, j'ai pris un taille XL. Parce que ça me paraissait vraiment petit. Même pour moi, le S, ça me paraissait très petit. Il vaut mieux avoir un truc un peu large. Donc, j'ai pris du XL. C'est une matière vraiment très très douce. Et j'ai pris le pantalon qui va avec. Donc voilà, donc c'est un ensemble qui coûte 28 euros je crois. Et en fait ce qui est cool c'est que pas besoin de ticket de caisse si vous avez besoin d'échanger ou rembourser. T'as pas besoin de ticket cadeau, pas besoin de ticket de caisse parce que tout est sur, tout est numérisé en fait avec le mail. Ça veut dire que si la personne, par exemple ma belle-mère ça lui va pas, elle peut présenter ça et en fait c'est directement ça là, c'est directement affilié à mon ticket. Donc voilà pour ça. Et ensuite je suis passée donc à la maison de Zola. Donc c'est la boutique avec toutes les gamines là. On fait trop rire. J'ai pris donc deux verres. Donc c'était ces deux verres qui n'avaient pas d'étiquette. Donc c'est deux grands verres pour faire des mojitos, ça peut être trop cool. C'était 5 euros le verre, vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. J'en voulais depuis tellement longtemps et ce style-là, j'adore. Et j'ai pris ça aussi pour le sel. Normalement c'est un sucrier, donc j'ai pris ça pour mettre le sel avec une petite cuillère. Donc trop bien, j'aime trop. Voilà pour le grand haul. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On va ouvrir le calendrier de l'avant, comme ça sera fait. Donc pour Manucci, j'ai reçu la tablette chocolat creamy. J'ai reçu aussi, bah ça je l'ai déjà eu des milliards de fois, donc c'est des petits muesli trop sympathiques de Noël. Ensuite pour Mademoiselle Bio, je suis trop contente d'avoir reçu ça parce que j'ai jamais testé, c'est du dentifrice à croquer, il y en a 30 à l'intérieur, donc ça c'est obligé que je teste. Pour Typologie, j'ai reçu de l'hydrolat de bleuet bio, donc trop contente, vraiment j'adore trop. Pour Rituel, j'ai reçu une crème pour les mains de Ritual of Jing, ça sent super bon, je suis ravie. Yestyle, j'ai reçu une crème vegan, lait de riz, je sais pas si ça se dit, mais voilà c'est pour le corps de ce que je vois ou le visage, enfin il n'y a pas vraiment marqué, mais je pense que du lait c'est plus pour le corps. Et là nous sommes face à la même situation que la dernière fois. Du coup, bah, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel, le bordel, le bordel, le bordel, le bordel. Je suis ravie. 13h55, 57, 14h, rien. Je suis toujours en train d'attendre. Et du coup, je me lève, je vais le revoir. Je dis, mais excusez-moi, mais là, mon entretien, il commence. Mais les gens, ils ont aucun respect, c'est un truc de ouf. Tu donnes rendez-vous à une étudiante qui habite à 1h30 de ton putain de siège social de mes couilles. Et tu te pointes même pas au rendez-vous, tu réponds même pas à ses mails, t'attends comme une grosse conne. Franchement, les gens de. Enfin, les RH, les managers de nos jours, c'est une catastrophe, ils respectent plus rien en fait. Déjà de base, t'aurais dû faire ça en Zoom, parce que déjà, passer 1h30 dans les bouchons et 1h30 de retour, c'est bon, 3h de route pour un entretien de 15 minutes, ils abusent vraiment. Là, ça me dépite de ouf, j'avais tout rangé avant-hier. Là, c'est le bordel. Bon, je vais m'y mettre sans filmer, genre prendre mon temps un petit peu parce que je suis un peu essoufflée, je suis en train de prendre mes médocs en même temps là, et ça me shoot énormément. Je vais ranger, je vous montre ça juste après. Oula, j'ai plus beaucoup de batterie. Du coup, je suis en train de changer mes draps là, c'est un bordel sans nom, et je voulais utiliser mes petites conneries de Patrick. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. En fait, moi quand je fais mes draps, bah, je suis toute seule du coup, et souvent les bordures qui partent des coins, et donc ça me saoule, donc je suis obligée de tout tenir. Et donc là maintenant ça tient, genre ça me permet de faire tenir de chaque côté les draps, et comme ça après t'as juste à secouer et basta. Bon bah voilà ce que ça donne, j'ai pas de truc blanc là pour lui, mais bon c'est pas grave. Franchement la qualité du tissu est incroyable. J'ai pris donc l'ensemble plus le draous qui est séparément, donc je l'ai pris à Primark. Franchement incroyable, vraiment très très bien, je conseille vivement. Et Prince adore les nouveaux draps, il adore pisser sur les nouveaux draps, donc t'as pas intérêt à pisser petit couillon là. Oui toi là, je suis pas sûre que des draps noirs avec un chat blanc ça soit une très bonne idée. En principe, tu ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Ça y est, il fait des bêtises. Il est fou. Dès qu'il y a des nouveaux draps, il est fou. Ça va faire trop beau avec ça, là. Incroyable.
trop contente. Bon, du coup, j'ai relancé une machine. Là, ça sera aussi à laver. Ça, c'est mes draps et les petits trucs d'aujourd'hui, là. Donc, il y aura ça à laver juste après. Ensuite, bah là, c'est toutes les poubelles jaunes. Et en fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans les calendriers de l'avant et je les ai mis là-dedans. Je trouve ça fait joli et tout. Alors ma machine est en train de décoller, mais ça fait joli avec les petits numéros comme ça, ça fait des petits cadeaux et ça me fait beaucoup plus de place. Mais j'ai juste laissé le rituage ici et le Yes Style juste en bas. Comme ça, ça me fait de la place, il n'y a plus les gros cartons et tout, donc ça, il faudra que je le vide. On va ranger tout ça. Maintenant, il faut que je passe l'aspirateur parce que c'est vraiment une catastrophe, c'est dégueulasse. Mais au moins déjà là, c'est fait. J'ai rangé aussi tout ce qui était là. Donc là, par exemple, c'était le sel. Le gros sel que je trouvais moche, là, du coup, je l'ai mis ici. Ça fait beaucoup plus joli et tout, donc au moins ça c'est cool. J'ai mis ça là en décoration, je me dis vas-y pourquoi pas. J'ai aussi mis ma petite guirlande que j'avais mis, vous savez, de base là-bas dans le truc rouge là. Bah, j'ai mis ici, je trouve que ça fait plus joli. Hop, ça fait une petite lumière. Et en fait là j'ai changé, j'ai enlevé les petits branchages blancs, j'ai mis ça à la place. Là après j'ai mis ça comme ça, c'est juste pour poser les trucs parce que je sais pas où les mettre pour l'instant. Voilà, j'ai mis le truc blanc ici, la pointe est en train de crever, je sais pas pourquoi elle crève. Dès qu'on la met là en fait elle crève. L'autre elle est en pleine forme, mais celle-là, oh là là. Et j'ai mis ça donc à l'intérieur et le branchage je l'ai mis dans le sapin. Donc voilà pour ça, faut que je mette les poubelles du coup. Et puis je vais essayer de continuer de ranger mais de mon côté parce que j'ai vraiment du mal, j'ai énormément de nausées là, c'est les effets secondaires de mon traitement, j'ai beaucoup de nausées et j'ai envie de vomir toutes les 3 minutes. Du coup je me sens vraiment pas bien du tout, donc je fais ça vraiment à mon rythme, je fais ça vraiment très, très lentement. Et du coup je préfère ranger tranquillement la maison, etc, faire ça vraiment tranquillement, que la maison soit propre pour ce soir et demain j'ai une grosse journée qui m'attend. Encore des examens médicaux, je suis ravie. Et l'après-midi il faut que je bosse avec Cindy sur le big data pour le projet personnel, je sais même pas ce que je dois faire. Donc vraiment c'est catastrophique. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéo que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Bye bye.